Je m'appelle Michel Lacoste, je suis producteur de lait dans le Cantal pour le fromage AOP Cantal. Alors le label AOP, c'est un label européen qui veut dire appellation d'origine protégée. Ça permet de protéger le nom d'un produit, mais derrière c'est une garantie portée sur l'origine. Alors quand on parle d'origine en AOP, c'est une origine qui porte sur deux dimensions. C'est à la fois une garantie d'origine par rapport à la provenance géographique, mais je dirais que c'est aussi une garantie d'origine par rapport à la filiation culturelle, dans le sens où derrière le label AOP, il y a la garantie du respect des savoir-faire traditionnels d'élaboration du produit. Alors ça va être vrai sur la production du lait. Par exemple, pour nous dans le Cantal, c'est une alimentation à base d'herbes qui est garantie. Et c'est vrai aussi dans la transformation, sur le fait qu'on respecte, je dirais, la recette traditionnelle du fromage, du beurre ou de la crème qui est labellisée AOP. Mais en fait, donc moi je suis localisé à La Capelle del Frais. En patois, ça veut dire La Chapelle du Frêne. Donc ça, c'est mon village. En fait, je suis dans le sud Cantal. C'est la moyenne montagne, c'est très vallonné. Il y a des forêts et des prairies. Et les prairies, elles servent à l'alimentation du troupeau. Donc moi, je travaille sur ma ferme avec mes deux frères. On a un troupeau de vaches laitières. Et le troupeau de vaches laitières, en fait, le matin, on arrive à 6h30. On commence à faire le tour du troupeau, voir si tout va bien. Puis à partir de là, on va ramener les vaches vers le lieu où on traite. Et donc on va traire jusqu'à environ 8 heures. À 8 heures, on a fini de traire. Donc là, en fait, quand on rentre des animaux pour traire, on les rentre, on les lave pour que ce soit bien propre. Il y a quand même beaucoup d'hygiène autour de la traite. Et on va recueillir le lait qui va être envoyé dans un tank réfrigéré la laiterie viendra pour chercher tous les deux jours pour pouvoir faire après du fromage Cantal. Donc ça, c'est la première étape du matin. La deuxième étape, ça va être l'alimentation des animaux. Alors là, ben, je dirais, si on est, je vais prendre la période la plus intéressante, c'est au printemps. En fait, on va ressortir les animaux déjà. Au printemps, en fait, les animaux sont à l'extérieur. Donc on va partir les chercher à l'extérieur. On les rentre au bâtiment et après la traite, on va les reconduire au pâturage. Et donc les animaux vont passer leur journée au pâturage. Et nous, pendant ce temps-là, ben, on va travailler après la journée dans les prés et dans les champs. Soit pour faire le foin, soit pour assurer des clôtures. Et puis le soir, on va recommencer ce travail d'aller chercher les animaux pour la traite et à nouveau traire les animaux puis les ramener au champ. Alors voilà, là on a trois morceaux de Cantal et on va bien voir où on présente la particularité du Cantal, c'est que c'est un produit qui évolue beaucoup au fil de l'affinage. Donc là, on a trois morceaux de Cantal qui sont déjà bien dégustés. Ces trois morceaux de Cantal, ils viennent de la même laiterie, du même fromager. Et en fait, on va vous présenter au travers ces trois Cantal l'évolution en cours de l'affinage, puisque celui-ci, il a un mois. Et on voit là, on a un fromage qui est plus blanc, qui a une pâte qui est assez onctueuse, puis une croûte qui commence tout à peine à pousser. Au fil de l'affinage, on va frotter les fromages régulièrement par rapport à la croûte. Et donc, on va arriver à 5 mois à cette croûte qui est typique du Cantal entre deux. C'est une croûte boutonnée, là, on voit bien le bouton ici, sur cette partie. Et puis on a une pâte qui s'affirme, qui va être plus ferme. Et puis enfin, on va arriver sur la partie fromage vieux, Cantal vieux. Donc là, on a une croûte qui va s'effriter quand on passe la main dessus. Donc là, on le frotte moins souvent, mais on voit que ça travaille énormément. Et puis on a un fromage qui se dessèche un peu, du coup qui va se concentrer en sel. Et de la même façon, au fil du temps, on a des arômes qui changent complètement. Parce qu'au début, on a le Cantal jeune va répéter le goût, on va retrouver le goût du beurre, du lait. Sur le Cantal entre deux, on a des goûts plus fruités. Et sur le Cantal vieux, qui est un an ici, on va avoir des goûts plus épicés, plus puissants. Alors, sachant que cette particularité du Cantal, elle est liée au fait que c'est une recette qui est unique, le Cantal, en termes de fromagerie. En fait, quand on fait le Cantal, on caille le lait, comme dans tous les fromages. Donc jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce caillé, on va le presser pour obtenir de la tombe fraîche. Cette tombe fraîche, elle sert notamment pour le plat de la ligot ou de la truffade. Cette tombe fraîche, on va la laisser reposer, elle va travailler, elle est ferment de travail, parce que le fromage, c'est un produit vivant. Donc il va y avoir un travail des ferments. On dit d'ailleurs que la tombe souffre, parce qu'elle s'ouvre. Et là, il faut qu'on arrive à arrêter ces évolutions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va broyer la tombe fraîche, on va la mélanger avec du sel, et on va remettre ça à l'intérieur du moule définitif qu'on va remettre sous presse. Et là, le sel, je dirais, va ralentir très fortement les évolutions du fromage. Donc à partir de là, le fromage va évoluer à l'affinage, mais beaucoup plus doucement
pour donner le résultat qui est ici. Alors, ben, je dirais que ça dépend un peu des instants aussi de la journée. Déjà, le Cantal jeune, il se prête très très bien à la cuisine. Sur un gratin sur un plat de pâtes, vous mettez du Cantal jeune gratiné, c'est un produit qui fond très très bien. Ça change de l'emmental, ça égaye les pâtes. Le Cantal entre deux, je dirais, c'est le Cantal qu'on trouve au petit déjeuner ou à la pause de 4 heures ou quand on passe rapidement, on veut un morceau, on a une fringale. C'est pas mieux, c'est pas un fromage qui coule, c'est un fromage facile. Ça passe très bien. Le Cantal vieux, c'est différent. Le Cantal vieux, il faut se poser. Là, c'est à la fin du repas ou le soir, tranquille. On prend le temps, on s'assoit, du bon pain, du bon vin. Et c'est un autre moment de dégustation, c'est des plaisirs différents pour des moments différents.